avec un mini haul Primark. Alors vous allez voir, j'ai acheté que 4 choses. Donc 2 choses qui font un ensemble de pyjamas. Donc j'en ai eu pour 39,30 €, il me semble. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc je ne vais pas vous insérer les prix dans la vidéo car tout est noté sur le ticket. Alors premièrement, à la base, j'y allais pour prendre une jupe en jean que j'ai vue en vidéo sur une chaîne YouTube. Alors là, il y avait deux sortes de jupes en jean. Il y en avait une qui était un peu trop longue. Voilà, et qui était un peu trop grande et trop longue, c'est ça, je vais y arriver. Et l'autre modèle que j'ai pas trouvé. Donc, comme je vais chez, à chaque fois que je vais chez Primark, alors ça faisait longtemps hein, que je n'avais pas été chez Primark, comme à chaque fois que je vais chez Primark, je prends en général un jean. Là, j'en ai pris un de taille 38, voilà, qui est un peu déchiré comme ceci. Voilà, je vous montre, vous avez des petites déchirures comme ceci. Là, c'est au niveau de la cuisse et vers le genou, vous voyez. Cuisse et genou. Et le bas du pantalon, du jean, hein, est un peu déchiré comme ceci. Je crois que c'est des deux côtés pareils, oui, c'est... non. Non, c'est pas pareil. Et là... Vous avez deux petites déchirures sous la poche, hein, tout simplement. Il y a un côté, vous avez deux déchirures, une comme ça, et de l'autre côté, c'est qu'au niveau du genou. Donc, il est un peu jean délavé, bleu ciel. Hein. Le prix, il était au prix de 19 €, voilà, en taille 38. Donc, au top, c'est en eau Ecotex, standard 100. Voilà, donc... voilà pour ça, un autre jean, j'adore les jeans de chez Primark. Ensuite, vous allez voir, c'est vraiment un mini haul, hein. Il me reste 3 choses. J'ai pris un t-shirt basique noir, voilà, en taille S. J'ai hésité entre le XS et le S, parce que moi je suis plutôt 36-38. Et là, j'ai pris S qui est quand même 38-40. Mais je me suis dit, bon, il sera un petit peu grand, mais c'est pas grave. Hein. J'ai hésité. Voilà, je voulais pas être non plus très serré dedans. Hein. Alors, il est assez fin, hein, vous voyez. Je pense qu'on voit à travers. Il est assez fin comme t-shirt. Bon, c'est un t-shirt basique. En col V comme ceci, vous voyez, je pense qu'on voit bien. Et je l'ai payé 2,50 €. Voilà, donc c'est vraiment le classique du classique, ça et le petit jean, ça peut être top. Et ensuite, ce sont les deux derniers articles, j'ai craqué pour un pyjama, j'avais pas vu que la dame m'avait laissé le cintre, ben ça je les garde pas les cintres, ah oui elle m'a laissé les deux cintres, ben comme ça je vais pouvoir mieux vous les montrer. J'ai pris Winnie, c'est un Disney. Voilà, donc le haut était à 8 €, donc ça se vendait à l'unité, le haut et le bas. Donc le haut était à 8 €. Voilà, alors ce qui est un peu doré comme ceci, ça a tendance à partir. Les pyjamas de chez Primark ont tendance quand même à s'enlever au fil du temps, au fil des lavages plutôt. Donc c'est un peu un doré pailleté, je pense que vous voyez bien. Donc c'est Winnie et Lan, je ne sais plus comment il s'appelle. Là c'est pareil, je l'ai pris en 38-40. C'est un peu transparent. Voilà, en rose, en fuchsia rose, hein, j'aime beaucoup. Et le bas, donc ça c'était 8 € le haut du pyjama. Et le bas est à 10 €. Voilà, c'est le même ensemble. Donc là c'est Winnie et le petit âne avec un petit ballon. Il est comme ceci. Pareil, je l'ai pris en taille 38-40. Alors là, par contre, je vais vous le montrer un peu mieux. Hop. Voilà, comme ceci. Alors, même s'il est un petit peu grand, il y a un petit ruban comme ceci pour le serrer. Moi, je l'ai trouvé vraiment très beau. Ah oui, par contre, il est super large là. J'avais pas vu, mais là... c'est pas possible que ce soit du 38-40.
Ah, d'accord, c'était pas le bon cintre. Là, c'est du 46-48. Eh ben, je vais être obligée de le faire changer du coup. Parce que, alors là, on peut en mettre deux comme moi. Hein. Je me suis pas méfiée. Le cintre était pas le bon. Bon, bah, autant pour moi. Eh ben, je vais être obligée d'aller le faire changer. Alors, il se présente comme ceci avec le bas retroussé. Donc là, je suis un petit peu dégoûtée. Il va falloir que j'y retourne. Vous voyez, la taille, c'est pas possible, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça arrive. J'ai plus qu'à y retourner, tout simplement. Ah oui, c'est du XL. Je me suis... Comme quoi, faut pas se fier au cintre. Il faut vraiment regarder l'intérieur. Là, je suis carrément dégoûtée, quoi. Il faut que j'y retourne parce que je me suis dit si ça c'est du 38-40, voyez un petit peu. Bon, c'est pas grave, enfin bref. Donc, j'aurais dû regarder l'étiquette. Le pantalon pyjama est à 10 euros. Voilà, j'ai plus qu'à aller le faire changer parce qu'alors là, il est beaucoup, beaucoup trop grand. J'ai pas du tout regardé l'étiquette, j'ai bien vérifié l'étiquette du t-shirt, mais pas du pantalon. Bon, enfin bref, bah, j'ai plus qu'à y retourner. Hein. Voilà, bah, écoutez, c'était vraiment un mini haul Primark. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Coucou, au bout de 1 heure et quart après, je suis retournée chez Primark. Enfin, on est retourné chez Primark. Et j'ai fait changer du coup bah, le pyjama. Là, j'ai bien vérifié cette fois-ci. Donc, il faut aller à un stand où c'est marqué, une pièce où c'est marqué échange et remboursement. Voilà, donc hop, ils vous font un petit papier, ils vous font signer un petit papier, ils vous barrent l'article. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne taille. Voilà, comparé à tout à l'heure, c'est ma taille. Donc, il est vraiment très très beau, hein. Donc, maintenant, je ferai attention. Donc là, le cintre était bon, mais on a regardé à l'intérieur. Voilà, 38-40. Bon, c'est légèrement un peu grand, mais c'est soit 34-36, je crois, ou 38-40. J'ai déjà des pyjamas Primark 38-40, impeccable. Là, déjà, ça va mieux. Voilà, avec le petit nœud. Et le petit nœud qui ne se resserre pas, hein, c'est juste une petite décoration. Donc, je regarde s'il n'y a pas de trou ou quelque chose. Non, non, c'est bon. Et vous avez devant, je ne sais pas si je vous l'ai montré dans l'autre tout à l'heure, des faux petits boutons comme ceci. Donc, il est vraiment très, très joli. Hein. Donc, c'est Winnie the Pooh. Voilà, Winnie qui s'envole avec un petit ballon. Et vous avez l'âne. Je ne sais plus comment s'appelle. Ah, l'âne dans Winnie. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne taille. Donc, faites bien attention. Hein, regardez bien l'étiquette. Et ne vous fiez pas au cintre, hein, tout simplement. Voilà, bah, c'était le gag en direct. Je crois que je vais marquer mini haul Primark avec gag. Sinon, il est très très beau. Hein. Voilà, alors, soit ils vous remboursent, soit vous repreniez l'article dont vous aviez besoin, quoi. Voilà, moi je suis très contente. Je me suis un peu surtout focalisée par l'étiquette de celui-ci, qui à la limite, bon, si ça avait été 46-48 pour le t-shirt, ça aurait été beaucoup trop grand pour moi, mais j'ai surtout regardé cette étiquette-ci, voilà, qui est quand même un peu grand, hein, 38-40, mais ça me va quand même, les pyjamas Primark. Donc, ils sont vraiment très très beaux, hein. D'ailleurs, je suis maquillée en rose, j'adore le rose, et je l'ai trouvé très joli. Je pense que c'est une nouveauté, hein. Disney Winnie the Pooh, c'est un vrai Disney. Hein. Voilà, ben ça y est, c'en est tout de mon haul au Primark. Hein, vous voyez, donc j'ai pris un pyjama, j'ai pas pris grand-chose, j'ai pris l'ensemble. Donc 8 euros le haut, 10 euros le bas. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, on a quand même perdu 1 heure et quart. Hein, on a surtout beaucoup attendu. C'était pas non plus à côté de chez moi le Primark où on a été. Ensuite, eh ben, le petit t-shirt, ah, ça devait être 2 euros, 2,50 €, un petit t-shirt classique. Voilà. Et le jean, qui est super beau, c'est de la qualité, hein, c'est assez épais. Ça, moi, les jeans comme ça, je les porte toute l'année. Hein. Un côté déchiré juste au niveau du genou, avec là sous les poches, comme un effet déchiré, avec des petites poches comme ceci, une mini poche là. Voilà. Et là.
toujours pareil, le petit motif comme ça, déchiré vers la cuisse, une jambe déchirée vers la cuisse et déchirée vers le genou. Et le bas du jean est comme ceci. Voilà, effet légèrement déchiré. Moi, j'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les jeans déchirés. Il ne faut pas que ce soit non plus trop déchiré, mais j'adore ça. Les jeans, c'est indémodable et on peut les porter été comme hiver. Bon, à part s'il fait 35 degrés et à 30 jeans, ce serait pas top. J'avais pas de couleur, enfin, j'avais pas tout à fait une couleur comme ceci. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez Primark, je prends toujours un jean. Là, j'ai encore de nouveau regardé les jupes en jean et il n'y avait pas la petite jupe en jean que j'avais envie de trouver. Donc, peut-être pour une prochaine fois, j'irai voir au Primark en vacances, je pense. Vers fin août, pourquoi pas. Hein. Et ben voilà, cette fois-ci, j'ai bien mon ensemble de pyjama. C'est la bonne taille. Donc, vous aurez eu un gag en direct. Voilà. Et franchement, me faire rembourser, j'avais trop envie. J'ai pas hésité parce que j'avais trop envie d'avoir le petit ensemble qui est vraiment très beau. Ça va partir au lavage. Tout ça. Et ben voilà, j'espère que mon mignol vous aura plu, qui aura duré plus de 10 minutes sur mes bout à bout des deux parties. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.